Notre histoire est liée à toute l'histoire du passé. Et c'est une richesse parce qu'on aurait tendance à l'oublier, mais on a de la chance. Il y a des historiens qui écrivent ça dans les livres, on peut la relire et expliquer comme l'a fait le père Bombardier. Eh bien, c'est un trésor qui est partagé finalement, toute cette histoire. Et là, il nous a expliqué un petit peu toute la façade de la cathédrale. Et c'est magnifique, toute cette catéchèse. On part vraiment de l'origine pour arriver à ce vers quoi on tend. C'est historique. Mais au cœur de tout ça, il y a vraiment l'église. Bah, l'église, parce que déjà, on vient en pèlerinage, c'est en église. Et puis on a toute l'histoire de l'église locale qui a inséré, qui est une sorte d'incarnation de l'église universelle. On se dit quand même, c'est pas banal.